Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il ici? Madame Isquin! N'appelez pas les pompiers! J'ai trouvé d'où vient l'odeur de mes chouis cramés! Monsieur? Youhou! Je peux vous aider? Mais elle va me répondre, oui, la chef sous Prozac! Ah ben quand même! Je disais donc, puis-je vous aider? Allô, vous parlez ma langue? Déjà, je suis pas une chèvre. Je suis un bouc, mon poulet. Ouais, et moi je suis pas un poulet, mais un canard! Vous voulez savoir quoi? Ben, si je pouvais vous aider? Oui, vous le pouvez. Mais je rêve! Je n'ai pas le temps pour ces bêtises! C'est bon. Que voulez-vous savoir? Eh bien, déjà ce que vous faites sur mon bureau, sans pantalon et les parties génitales sous ma lampe. Je me fais juste une séance de bronzage du périnée. Une séance 2? De bronzage du périnée. Je me fais bronzer l'anus, quoi. Mais ce n'est pas une lampe à UV! Viens de m'en rendre compte un instant. Et sinon, vous êtes... Ben, sur votre bureau, à ce que je comprends. Non, je voulais dire, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur face de bouc. Je suis envoyé par le bureau pour vous épauler. Je n'ai pas besoin d'aide pour trier les archives du commissariat. Là-haut, ils pensent que si. Et pour me punir, ils m'ont aussi rétrogradé aux tâches administratives. Excusez-moi, mais pour ma part, je n'ai pas été rétrogradé. J'ai demandé à travailler aux archives. Sans déconner. Mais vous n'étiez pas inspecteur avant? Oui, mais disons que le manque d'enquête et de Bon, meurtre dans cette ville finir quand même ma m'incite série à un peu, en fait, de revoir mon mes vie. priorités. Merci, c'est toujours agréable. Bon, cette fumée m'irrite un peu trop la gorge. Il me faut un bon verre d'eau. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? Cette horloge ne Vous me fonctionne savez la version plus. courte ou la version romancée? Je vais vous faire les deux puisque vous ne répondez pas. Version, cette horloge ne fonctionne plus Et depuis que qu'une la foule s'est doloréade abattue sur le clocher de la DMC12 ville est apparue comme la version diable courte. en laissant Il n'y a des simplement traînées plus d'œufs aucune pile ah oui, dedans. devant la Et porte de aussi secours, parce que c'est l'échelle, moins compliqué pour le développer là-haut. là-haut. Je pose Oui, une je horloge vois. qui ne fonctionne pas. C'est un très vieux donut, Je vous n'ai pas savez trop besoin de rien que ça pour le l'odeur moment. pourrait réveiller un mort. Quelqu'un qui dort bien et ronfle comme un tracteur. Et hop, nous avons un verre. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? Un tas de cartons avec Je vais certainement laisser beaucoup le de stagiaire pas quelques quelqu'un minutes. là-dedans. Je ne sais pas vraiment qui appeler pour le moment. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? Boire dans un verre vide? Y a plus qu'à boire. Je ne vais quand même pas gaspiller cette eau plate et fraîche sur cette face de bouc. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? Voyons ce que nous avons sur notre panneau de suivi d'enquête.
C'est tout simplement un des 8 tiroirs de la commission. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je ne crois pas avoir envie de le savoir. Laissons-le dormir pour le moment. Je ne vais quand même pas gaspiller cette eau plate et fraîche sur cette face de bouc. Eh bien, à la vôtre. Allons voir qui souhaite nous parler. Bureau des archives, que puis-je faire pour vous? Salut, Maigret. C'est le capitaine Ichiro. Mais restez, capitaine Ichiro. Vous n'allez pas le croire, mais je suis actuellement sur une scène de crime. Sérieux? Vrai, monsieur. Mais c'est horrible. J'ai besoin de mais je vous rappelle que vous avez retiré votre poste. Fermez votre gueule. Vous sentez l'odeur caramélisée à 3 km à la ronde. Désolé, capitaine. Parlez à un bouc. Je vous réalise de vous. Bon, je vous réalise de vous. Bon, maintenant nous devons trouver un moyen de réveiller face de bouc avant d'aller pour que nous allions ensuite chercher notre matériel. Rejoindre le capitaine Ichiro pour démarrer notre enquête. Cette horloge, vous voulez la version courte ou la version romancée? Je vais vous faire les deux puisque vous ne répondez pas. Version. Cette horloge ne fonctionne plus que la foudre s'est abattue. Et la version de l'ouïable, on le lance. C'est moins compliqué pour le chef. Je trouve que la porte ne fonctionne pas. Au moins moyen de réveiller la bête. Un tas de cartons. Je vais laisser le stagiaire que vous patinez là-dedans. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? C'est un très vieux donut. Nous avons le donut. Voyons ce que nous avons sur notre panneau de suivi d'enquête. Vous trouvez vraiment que j'ai la vraiment que j'ai la capable de manger un donut fermé depuis certainement 2 ans? 2 ans? Agitons ce délicieux donut que ça devrait le réveiller devant la truffe de ce malotru. J'espère que c'est sans gluten. Je ne sais pas comment il fait pour mastiquer en restant satisfait allongé. De voir qu'il ferme sa gueule quand il mâche. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Non, merde. C'est Claude. Non, non. On aurait dit une pâtisserie. Qui encore en mariage le trou du cul d'un démon craché par Philippe et Ch'tebest. Maintenant, j'ai mal au gel des moulets. Les toilettes sont en bas. Non, non, c'est bon. J'ai trouvé des toilettes dans ce bureau. Si, si. En attendant, tourne-toi sur le coin de mes yeux que je me rabuse. Je suis pudique. Maintenant, il faut que j'aille déposer les informations. Et pouvez-vous me montrer où vous avez trouvé des toilettes dans ce bureau? Non, vous n'avez pas. C'est ça. De toute façon, je ne sortirai pas d'ici tant que j'aurai des toilettes à mon carreau. Excusez-moi, mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. J'ai dormi tout ce temps. Bon, l'un ou l'autre, de toute façon, je m'en cogne. J'ai comme l'impression que nous allons rester là. Excusez-moi. Mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. Si je m'écoutais là. Bien le développeur de Grand Mabadas pour lui demander de m'offrir un rôle dans son prochain jeu. Mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. J'ai dormi tout le temps. Alors, de cette façon, je m'en cogne. Découvrons où en est l'enquête du jour. Je n'ai pas soif pour le moment. Je n'ai pas soif pour le moment. Excusez-moi. Mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes. Vous plaisantez, j'espère. Jamais je ne toucherai ces poils de roubignol de bouc grillé. Je ne toucherai ces poils de roubignol de bouc grillé. C'est un ordinateur, quoi.
Cette vous voulez la version courte ou la version romancée? Je vais vous faire les deux puisque vous ne répondez pas. Version cette horloge de Montréal, que la foudre s'est tabattue sur la version chez diable. Ah oui, et aussi parce que dedans, devant la horloge ne fonctionne pas. Voyons ce que nous avons sur notre panneau de suivi d'enquête. Et hop, j'ai récupéré mes poils. C'est sur cet ordinateur que j'ai toute la badass. Nuit. Sourire en dans la peau, dans la peau, si je m'écoutais là. Il y a bien le développeur de Grandma Badass pour lui demander de m'offrir un rôle dans je son prochain jeu. Qu'est-ce que vous voulez me faire point and click. J'ai comme l'impression que nous allons rester là. Vous plaisantez, j'espère. Jamais je ne toucherai ces poils de roubignol de bouc grillé. Vous plaisantez, j'espère. Jamais je ne toucherai ces poils de roubignol de bouc grillé. Excusez-moi. Mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. Il n'y a rien d'intéressant dans ce tiroir. Le tiroir est totalement vide. Découvrons où en est l'enquête du jour. Excusez-moi, face de bouc. Pourriez-vous me suivre? Et bien sûr, inspecteur Magret. Excusez-moi, face de bouc. Pouvez-vous rester ici? Restez ici, je crois ne rien faire. Mieux, inspecteur Magret. Excusez-moi, face de bouc. Qu'est-ce que je dois faire je déjà? Je ne sais pas encore. Merci. Regardez-vous dans le regard. Est-ce que vous êtes heureux de regarder ce qu'on fait? Vous êtes mon stagiaire. Non, rien du tout en fait. Excusez-moi, face de bouc. Pourriez-vous me suivre? Bien sûr, inspecteur Magret. Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire faire. Excusez-moi. Mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. Excusez-moi, inspecteur Magret. Pourriez-vous me suivre, inspecteur Magret? Bien sûr, mon cher face de bouc. Excusez-moi, inspecteur Magret. Pouvez-vous rester ici, inspecteur? Ok, mon cher face de bouc. Excusez-moi, inspecteur Magret, qu'est-ce que je dois faire déjà? Je ne sais pas. Ah oui, quel panneau il y a maintenant? Non, rien du tout en fait. Ce tiroir aussi est totalement vide que mes intestins. Je commence à me demander si on se moque pas de nous là. Allez, essayez de deviner. Gagné, il n'y a rien d'empris dans celui-là. Je pense que vous avez aussi devoir les ouvrir jusqu'au 8e pour trouver les plans. Quelle surprise! Bon, logiquement, le dernier, c'est le bon. Il n'y a pas de plan non plus dans ce tiroir. Tada! Le tiroir, j'y crois pas. J'ai déjà fait non, en non, faire ce coup-là. Je ne l'ai pas fait en faire ce coup-là. Je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir lâché une pêche. Excusez-moi, face de bouc. Est-ce que vous êtes heureux de travailler pour vous? Je ne voudrais pas paraître abruti, mais... Et vous êtes un stagiaire, mon partenaire. Non, rien du tout, en fait. Excusez-moi. Mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. Oh, super, mais je pense qu'il serait plus intéressant de trouver ces fichus plans de la ville. J'ai comme l'impression que nous allons rester là. C'est sur cet ordinateur que j'aurais rentré dans la peau et dans la peau. J'ai bien le développeur de Grandma Badass pour lui demander de m'offrir un rôle dans son prochain jeu vidéo. Vous plaisantez, j'espère. Jamais je ne toucherai ces poils de roubignol de bouc grillé. Excusez-moi. Mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi.